avez votre façon de croire, vous avez votre foi à vous. Ce n'est pas de l'imbroglio. Est-ce qu'il n'y aura pas de court-circuit? C'est ce que je disais. Dans un pays où nous espérons connaître l'émergence, l'émancipation. Vous, merci. Vous avez votre foi, vous. C'est ça. Les églises des Noirs, les églises des réveils, dit au jour par vous, rebelles. C'est ce que je venais de dire ici. La spiritualité n'a pas de religion. Parce que dans la spiritualité, on a un seul modèle ou un seul verbe conjugué, c'est le verbe aimer. Ça, c'est la spiritualité. Quand je m'aime, je ne me ferai pas du mal. Il y a des choses que je ne peux pas manger qui vont me détruire. Quand j'aime ma patrie, il y a des choses que je ne peux pas faire qui vont détruire ma patrie. Quand j'aime mon peuple, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit juif ou pas, je l'aime. La spiritualité, c'est l'amour. Ok, ça, ça n'a rien à voir avec des écoles initiatiques. C'est-à-dire, on t'initie pourquoi? Pour que tu puisses aimer, c'est ça. On t'apprend, tu vas à l'école, l'école de la religion pour apprendre quoi? Pour que tu apprends à aimer, c'est tout. Tu vois, la dans la spiritualité, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de race. Tout ce qui compte, c'est que je suis créé à l'image et à la ressemblance du créateur de l'univers qui n'a pas de nom et que chaque peuple le dénomme avec son propre nom. Je dois aimer tout ce qu'il a créé. Ça, c'est la spiritualité. N'est-ce pas? Donc, dans la spiritualité, c'est là où le grec appelle le kyménisme. J'ai des pères qui sont des églises de réveil. Il est dans l'église de réveil, mais c'est un père à moi. C'est mon père. Le charisme qui est en lui n'a rien à voir avec sa religion. J'honore, je respecte sa spiritualité, l'idéologie, la philosophie que cette personne appelle et porte, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la spiritualité. Dans la spiritualité, je peux avoir, j'ai des pères dans les églises des réveils, j'ai des pères dans le judaïsme, le judaïsme des Ashkénazes, j'ai des pères. Ça, c'est des gens, c'est-à-dire, ce sont mes modèles. Pourquoi? Parce que un esprit est comme une maison. Combattit avec plusieurs maçons, plusieurs briques jusqu'à ce que la maison finisse pour que les autres viennent abriter dedans, n'est-ce pas? Alors tous ces maçons-là ne se connaissent pas, ils ne sont pas tous de la même ADN, ils ne viennent pas tous de la même maison. Et tous les briques ne sont pas les mêmes briques, n'est-ce pas? Mais c'est l'ensemble de tout ça qui constitue une maison. Je suis la reine des midi, c'est-à-dire la maison vraiment qui a été bâtie pour que l'homme noir n'ait plus pu aller loger dans des maisons des autres et qu'il puisse loger dans sa propre maison.